Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On parlera départementale, élection départementale cette fois-ci. On est sur Saint-Denis, c'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Monique Orphée, bonsoir Gérard Françoise. Bonsoir. Alors, votre canton, c'est lequel? C'est le canton 9 de Saint-Denis. Ou Saint-Denis. Ça, d'accord, c'est un peu plus parlant. C'est quel territoire? Alors, qui comprend le Primat, Moufia 2, Chaudron, Sainte-Clotilde et Vauban. Donc, en clair, une population de plus de 30 000 habitants. Alors, d'abord, on va commencer par vous présenter. Qui êtes-vous, Monique Orphée? Alors, moi, je suis Monique Orphée. Actuellement, je suis adjointe au maire, sixième adjointe au maire. J'ai été ancienne parlementaire de 2012 à 2017, siégeant notamment à la commission des affaires sociales. Donc, connaissant bien les sujets qui concernent aujourd'hui le département. Donc, élue de terrain, de proximité, j'ai des convictions. Je suis quelqu'un qui reçoit beaucoup dans le cadre de mon mandat. Je reçois beaucoup les gens du Chaudron, d'un peu partout en fait, et je connais bien les problématiques de ce secteur qui aujourd'hui, problématique liée au conseil départemental, c'est la raison pour laquelle je suis candidate à cette élection. D'accord, Gérard Françoise. Alors donc voilà, donc Gérard Françoise, donc j'ai 55 ans, enfant du canton, puisque je suis natif d'un des quartiers de ce canton, donc qui est Sainte-Clotilde. Le hasard des choses a fait que j'ai fait mes études à Sainte-Clotilde. J'y travaille également puisque je suis cadre dans un organisme social basé sur Sainte-Clotilde. Alors, et actuellement, si vous voulez, je suis cinquième adjoint au maire, donc à Saint-Denis, également comme ma collègue Monique. J'ai en charge la délégation finance et une délégation qui me tient à cœur, c'est la délégation territoriale de Sainte-Clotilde. Depuis 12 ans, et depuis 12 ans donc, avec l'ensemble de l'équipe, nous avons mené une politique de proximité. Proximité parce que les gens ont besoin d'écoute. Les gens ont besoin d'accompagnement. Les gens ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et c'est vrai que quand on fait des audiences, ben c'est du tout venant. Et bien souvent, on constate qu'il y a des questions qui relèvent, certes, des compétences de la ville, mais qui relèvent également d'autres compétences, comme par exemple celle du département. Et aujourd'hui, force est constatée, nous constatons qu'il n'y a aucune proximité entre le département et les différents territoires, dont bien entendu notre territoire, donc le canton 9 ou Saint-Denis 1, d'où cette volonté, donc avec ma binôme Monique et donc également donc nos deux suppléants, donc qui sont donc Guillaume Kishnama et Chantal Vitry. J'avais dit, c'est pas son petit nom gâté. À force de l'appeler, c'est son petit nom gâté. Voilà. Donc, on a voulu donc avoir cette ambition d'être un département engagé, mais non pas engagé par rapport à un président, mais engagé par rapport à notre territoire. D'accord. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qui explique votre engagement politique aujourd'hui, dans cette élection, entre autres? Alors, non, je l'ai maladie tout à l'heure, Jismia. Nous, c'est des élus de proximité. Nous connaissons ce quartier-là comme notre poche. L'ensemble, hein, comme Gérard, moi, l'ai élu de secteur du Chaudron depuis un moment déjà. Et quand nous reçoit des gens, les gens, ils viennent voir à nous pour toutes sortes de problèmes. Comme, par exemple, une personne âgée. Il a besoin de déménager. Il est à sixième étage. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces quartiers-là, les logements, c'est quand même des logements qui datent de plus de 30 ans. Quand une personne âgée vient voir à où, il dit « Madame Orphée, elle a besoin d'une petite place dans une résidence. Elle a besoin d'une mutation pour être au rez-de-chaussée. » Bon, il y en a des choses comme ça. Ou « Elle a besoin de changer ma baignoire parce que elle ne gagne plus, elle est handicapée. » Donc, nous dit tout ça, ce n'est pas une compétence de la ville. Par contre, le département qui occupe quand même de la problématique du vieillissement, si nous n'avons point des élus pour aller accompagner Bana, et c'est ce que nous faisons, nous accompagnons au niveau de la ville, nous peut orienter au niveau du département, mais si nous n'avons pas dedans pour après lever les ficelles, pour résoudre, pour apporter des solutions à ces gens-là, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que nous voyons tellement de problématiques liées au vieillissement, aux personnes handicapées. Par exemple, une personne handicapée qui dit aux autres, attendre 2 ans pour avoir un agrément, bon, ou appelle les services du département, mais
on peut pas agir pour dire ben, peut-être qu'il faudrait accélérer. Donc aujourd'hui, ayant des élus clés absents, il faut dire que depuis très longtemps, nous n'avons des conseillers généraux. Allez demander de monde, c'est qu'ils ont des conseillers généraux sur ce canton-là, personne n'y connaît. Donc nous dit, ben, comme nous connaissons les problématiques, comme nous connaissons les gens, ben, autant être là-bas pour amplifier le travail que nous fait déjà sur le secteur Gérard comme moi-même. Enfin, il pense que Gérard, là-dessus, pourra dire des choses. Même question, Gérard Françoise, qu'est-ce qui motive ou qu'est-ce qui explique l'engagement politique? Le premier engagement, comme on l'a dit tout à l'heure, moi, c'est un enfant du canton. Et nous voit aujourd'hui la difficulté dans ce canton de travailler avec le département. Travailler avec le département, c'est avoir des élus départementaux qui soit présent sur le territoire, ce qu'on appelle la proximité, voire même ce que nous, on a développé depuis quelque temps, l'hyper-proximité. Aujourd'hui, on a besoin d'un rendez-vous avec le conseiller général. Déjà, il faut que ça rôde son nom dans la nuit, on ne connaît pas que c'est là. Deuxièmement, où ça et ça rôde à lui, on ne connaît pas, non, oui, à part aller au palais de la source. Tout à l'heure, il me disait dans mon premier causé, nous voulons faire en sorte que notre canton soit engagé au département, et le département engagé aussi pour notre canton. Et non pas aujourd'hui, comme malheureusement on entend un peu trop souvent, quand on parle à la fois des départementales ou éventuellement, puisque actuellement c'est aussi les régionales, la première question c'est qui sera président? Nous, qui sera président? Ça c'est autre chose. Nous, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est de dire que nous voulons mettre en place notre programme, que nous l'avons travaillé depuis des semaines, notre programme que nous travaillons aussi par rapport à ce que on a vu pendant ces 12 ans qu'on est, Monique et moi, donc élus de territoire, voir, parce que les gens, quand ils viennent nous voir, eux, l'histoire de compétences, ça, c'est de compétences départementales, ça, c'est de compétences de la région, ça, c'est des compétences de l'EPCI, donc la Sinon ou éventuellement de la mairie. Pour eux autres, non. Les gens ont besoin d'un élu. Un élu qui sache faire et répondre à leurs interrogations. Même si, des fois, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, mais au moins, écouter, être à disposition de l'électorat. Parce que il faut arrêter, il y a une sorte de multicouche. En fait, les gens s'y perdent. Les gens ont besoin d'un élu, d'un territoire, d'un lieu où ils peuvent venir rencontrer ces élus. Et nous, depuis 12 ans, que ce soit à Mayennex du Chaudron, ou à Saint-Clotilde, ou au Vauban, puisque là aussi, c'est une nouveauté, on a créé un centre municipal à Vauban pour aller au plus près de la population, ou à Prima, on est là pour cadrer le secteur. C'est pour ça, entre autres, donc Guillaume Kishinama, qui est mon suppléant, est également élu du Vauban. Au moins, l'ensemble de notre territoire, aujourd'hui, sera représenté à ce département. Qu'est-ce que la population de ce territoire que vous avez rencontré vous demande en premier? Alors, d'abord, j'ai envie de dire que la population, nous, avec Saint-Clotilde, on est dans une zone urbaine. Donc, où il y a quand même beaucoup de logements. C'est différent, par exemple, d'une ville comme la Petite-Île ou autre, où les problématiques, c'est autre. Nous, c'est aussi c'est le vivre ensemble. C'est que les gens, ils sont à eux bien chez eux. Tout à l'heure, elle a parlé, Malais Gira, tout à l'heure, évoquait, par exemple, le projet pour le vieillissement. Moi, j'ai envie de dire, par exemple, quand on est là, des gens... qui vivent dans des logements, dans des notamment collectifs, la pointe toute ma petite case à terre. Le rêve d'un réunionnais aujourd'hui, c'est d'avoir son petite case à terre. Pourquoi il veut son petite case à terre? Pour avoir son petit morceau de terrain pour pouvoir aller cultiver un peu comme dans ton longtemps. C'est pour ça qu'au niveau de la ville de Saint-Denis, nous l'a fait beaucoup de jardins partagés, où les gens qui vivent dans un collectif, ils peuvent retrouver la terre, renouer, planter son deux petites patates, son bringel, etc. Et demain, se nourrir correctement. Donc nous veut redonner un peu cet espace-là aux gens. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est compétences agricoles, nous dit aujourd'hui, amplifions ce qui se fait déjà au niveau de la ville de Saint-Denis, nous avons des espaces et des laissés, faisons de l'agriculture urbaine pour que les gens, ils renouent un peu de la terre, ils respirent, etc., comme les jardins familiaux du Chaudron ou bien d'autres trucs. Après, nous dit, dans les collectifs, nous voit que nous avons beaucoup de béton. Nous avons dit, ben, pourquoi pas faire en sorte de reverdir un peu ces bâtiments-là pour que les gens ils respirent pareil. Aujourd'hui, nous avons fait des jardinières. On distribue les jardinières. Ben, quand on passe dans les immeubles, on voit les gens avec d'autres jardinières, d'autres plantes, d'autres tisanes, d'autres légumes, etc. Donc nous voulons reverdir
ces quartiers où ça nous a construit énormément de logements. Ça, c'est notre politique, j'ai envie de dire, agricole. Nous, dans notre canton, la pointe terrain agricole. Donc ça, c'est notre trace écologique jardin à la ville, que nous voulons. C'est le jardin à la ville. C'est ce que nous voulons, en tout cas, l'axe que nous voulons aussi porter. Quels sont les autres projets vraiment essentiels de votre programme? Alors, il y a un élément qui nous tient vraiment à cœur, puisqu'on l'a fait à la ville. On souhaiterait également avoir cette réussite éducative au collège. Aujourd'hui, on constate malheureusement qu'au collège, il y a tout ce qui était donc l'enfant a pu acquérir donc jusqu'à l'entrée sixième avec le PEG, plan éducatif scolaire, tombe, puisque le département aujourd'hui n'est pas suffisamment engagé dans le périscolaire. Le collège aujourd'hui est une plateforme de réussite pour certains, mais malheureusement. Également donc d'échecs pour de nombreux aujourd'hui réunionnais. Je vous donnerai un seul chiffre donc sur notre territoire. 47% de nos enfants aujourd'hui sont considérés comme vulnérables. Vulnérables, pas forcément histoire de santé, vulnérables parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'acquérir l'ensemble des connaissances pour essayer de s'insérer durablement dans notre vie aujourd'hui. Parce que un chiffre est frappant quand même. Quand on parle de chômage des jeunes, on dit souvent que c'est à peu près 50 à 60% de nos jeunes qui sont au chômage. Mais quand on regarde bien les statistiques, on constate que uniquement 17% de nos jeunes aujourd'hui sont au chômage s'ils ont au moins le bac. Et voire même plus. Donc c'est pour vous donner l'importance de ce continuum éducatif que l'on veut mettre ensemble, tout un écosystème qui va de l'enfant, de la petite section jusqu'à l'âge de 25 ans, voire avec en parallèlement à cela, pour lutter contre le décrochage scolaire, faire en sorte que l'enfant puisse découvrir le monde de l'entreprise. Le fameux RSE qu'aujourd'hui les entreprises ont ce targ de la responsabilité sociétale et éducation et environnementale. Il faut que notre tissu économique s'ouvre davantage chez nos écoles et que nos enfants puissent aussi découvrir des métiers. Il n'est pas normal qu'on demande à un enfant à la sortie de troisième ce qu'il veut faire. Il doit être aussi confronté à la vraie vie, à la vie de son quartier, à la vie des entreprises qui composent son quartier. Donc ça, je pense aujourd'hui, c'est une des moyens pour lutter contre le décrochage scolaire, pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure réussite éducative de nos enfants. Alors, autre projet. Autre problématique, et là je relis au chômage, quand on reçoit des gens, souvent des personnes qui ont plus de 50 ans, ces personnes-là, souvent, viennent à nous. La première demande qu'on nous reçoit, c'est soit c'est un logement, soit c'est un travail. Or, on connaît que la compétence du département, on a retransféré le RSA, mais reste quand même la formation, etc., de ces personnes qui sont au RSA. Aujourd'hui, on demande aux gens, c'est quoi le R+. Personne n'y connaît. Il envoie les autres chercher un travail. Après, il dit, on va toucher au RSA. Les gens sont perdu. Donc moi, quand je reçois, et Gérard, c'est pareil, de mon 50 ans, 55 ans, il dit, mais Madame Orphée, aujourd'hui, personne, il envoie à nous en formation, personne ne veut plus prendre à nous. Personne ne veut plus prendre à nous parce que nous les considérer comme personnes âgées, alors qu'on a quand même des compétences et là. Donc nous, l'objectif, c'est de dire quoi? Il faut que demain, le département, mais avec les autres aussi, qu'on trouve, et j'en ai parlé au Pôle emploi, il faut qu'on trouve une solution pour ces personnes qui ont plus de 50 ans, 55 ans. On avait des contrats seniors. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un contrat qu'on peut appeler, je ne sais pas moi, contrat senior ou autre, pour justement permettre à ces personnes-là d'avoir un emploi un peu à temps partiel, voilà, un peu comme les contrats aidés. Et avec la prime d'activité, il va compléter son salaire. Ça lui permet d'abord de retrouver de la dignité. Et on connaît qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal, notamment dans nos quartiers, des familles monoparentales. Souvent, ce sont des mamans qui élèvent d'autres enfants. 42% donc, ces mamans-là, elles ont besoin aussi d'avoir ces revenus-là pour élèver d'autres enfants. Donc, nous valons bataille avec d'autres partenaires, pour que ces personnes qui sont aujourd'hui au chômage, qui ont plus de 55 ans, ben pendant 5 ans, ils ont ce contrat-là, ils débouchent ensuite après sur la CEDIC, et ils peuvent prendre après leur retraite. Donc, c'est une proposition que nous va faire. Alors, bien sûr, nous mettre sur la table, ça va faire l'objet d'une discussion. Si demain, la région, il peut venir sur ce dispositif, il vient sur ce dispositif, voilà une mesure attendue pour les parler. Personne que les au chômage de 50 et 55 ans. En complément à ce que disait Monique, un seul chiffre,
sur 100 chômeurs, 30% sont en plus de 50 ans. On parle effectivement souvent de la problématique du chômage des jeunes. L'augmenter. Mais voilà, on a eu un boom du chômage de nos seniors, ce qu'on appelle les seniors, au-delà de 50 ans. Et c'est à cette tranche de population aussi qu'on doit aider. Ils ne doivent pas être dans une espèce d'entre-deux, entre la vie active et le départ à la retraite. Il faut qu'on s'occupe de ces gens-là. Il faut qu'on leur donne les moyens de se réinsérer professionnellement en parlant. Et un des moyens pour se réinsérer professionnellement sera aussi, c'est dans le programme, prévoir donc la gratuité des bus. Parce qu'aujourd'hui, nous, Saint-Denis, on a mis la gratuité des bus jusqu'à 25 ans, mais on constate également que nos seniors, à partir de 60 ans, peuvent l'avoir, mais ceux qui sont en dessous de 50 ans ne peuvent pas, malheureusement, se déplacer gratuitement. Parce que se déplacer, c'est pas seulement aller battre carré, se déplacer, c'est aller en stage, c'est aller vers l'emploi, c'est aussi créer du lien avec donc la population. Donc, on pense aussi que nos seniors, ce qu'on appelle un peu la garantie senior, on doit avoir les aider donc dans l'insertion professionnelle. On doit également les aider à être mobiles, puisque la mobilité, c'est encore une fois, c'est rester jeune. Si on reste enfermé chez soi, on est dans l'entre-soi, on n'ira jamais donc plus loin. Donc allons aider nos grands mondes, allons les rendre mobiles, allons favoriser donc leur insertion professionnelle avec les dispositifs que Monique tout à l'heure a précisé pour pas qu'ils restent enfermés chez eux. Alors, si vous avez encore 2 minutes. Alors, il nous reste 5 minutes. Alors moi, je voudrais développer une des mesures. J'ai parlé tout à l'heure du vieillissement. C'est un défi, Monsieur Ramoudou. C'est un défi. En 2050, on aura 3 fois plus de personnes âgées. Et ces personnes âgées, pour 80%, elles vivent chez elles. Et parfois, dans l'isolement, les pas accompagnés, etc. Nous, nous dit aujourd'hui, il faut... Ça veut dire qu'il faut un développement des services à la personne? Alors, développement des services à la personne, mais il faut aussi, parce qu'on a des personnes âgées qui peuvent, encore autonomes, donc ils peuvent résoudre cases ou avec derrière une petite assistance. Mais on a d'autres qui ont des pathologies un peu plus compliquées, qui ont besoin d'être dans des lieux où il y a un service semi-médical pour les accompagner. Nous, nous voulons développer non plus les EHPAD, des grandes structures où souvent quand la personne âgée rentre dans ces EHPAD-là, ben, on connaît que le moral y descend. Nous, on privilégie les petites structures, les micro-résidences pour des personnes justement qui touchent, quand on touche 1 000 euros, de toute façon, on ne peut pas aller dans l'EHPAD parce que c'est 2 500 euros la place. Nous, nous voulons des résidences qui permettent à ces personnes-là d'être bien, d'être en petit groupe, comme un peu les micro-crèches, avec derrière un service à la personne qui dépanne tout le monde, et aussi à un coût modéré. Aujourd'hui, quand on regarde un peu les résidences seniors, sous la pointe 700 euros, et que, pour payer une résidence, ben, où ça n'a pas. Et quand on n'a que 200 euros d'aide au logement, on touche 900 euros, imagine à ou bien que la personne, ben, les gars, ils pas rentrent dedans. Donc, nous nous dit oui, créons ces petites structures agréables, aménagées et derrière à un coût raisonnable. Mais ça pourra se faire si le foncier, on a le département qui met son foncier à sa disposition, la région qui vient sur l'aménagement. Et à partir du moment où tout le monde vient autour de ces structures-là, on sortira effectivement ces résidences-là à des coûts modéré. Ouais. Mais ça, il faut vraiment une volonté politique pour prendre en charge le vieillissement de façon globale, création de résidences seniors, accompagnement des aidants familiaux avec une formation, une professionnalisation. Et ça, on voit aujourd'hui, ce sont les enfants qui souvent font des aidants familiaux. Ben, aide Azote, à forme Azote, ça permettra aussi demain de réduire le chômage. Donc vous voyez que c'est un cercle vertueux que nous voulons construire pour accompagner le vieillissement. Alors, un chiffre également. Vous allez me dire que je parle souvent de chiffres. Mais pendant 30 ans, la population, donc l'espérance de vie a augmenté de 1 an tous les 6 mois. Pendant. Donc, ça veut dire qu'on a gagné 30 ans d'espérance de vie en rien. Aujourd'hui, on plafonne parce que, justement, il y a cette difficulté de santé publique, il y a cette difficulté de mobilité. Il faut que et on arrive à une espèce de plafond de verre qu'on n'arrive pas à rattraper le niveau donc de l'hexagone. Nous, avec nos mesures que l'on souhaite mettre en place, c'est de lutter déjà en amont contre les maladies qui touchent plus particulièrement nos grands mondes, le diabète, le cholestérol, l'isolement,
etc. On veut travailler nous en amont pour que ces personnes, demain, une fois arrivées à l'âge senior, puissent vivre avec une vie agréable et non pas subir sa, donc son état de senior. Et c'est là toute la difficulté d'exercice, c'est-à-dire que on n'arrive pas senior, on chemine vers le statut de senior. Donc il faut tout au long donc de notre vie qu'on travaille pour que donc une fois à l'âge senior, on ait une vie avec de la vie. On arrive à la fin et on a même dépassé un peu le temps qui nous est imparti. Merci Gérard François, merci également à Merci à vous. Mes enfants. On va Merci. rappeler que Merci aux auditeurs pour leur vous écoute. êtes candidat sur le Le canton canton 9 et 9 1 de Saint-Denis. Et Saint-Denis 1. et Saint-Denis Saint-Denis. 1. Donc on va juste rappeler le territoire. Alors, si on parle de l'Est, c'est le Primat, Ouais. il y a le Chaudron, Moufia 2, donc Père-la-Fosse pour ceux qui appellent ça comme ça, Sainte-Clotilde, Et le Champfleury, Vauban. Buton et le Vauban. D'accord. Donc on rappelle donc que les 20 et 27 juin, on vote pour les départementales. On verra à ce moment-là un petit peu les résultats. Merci à vous deux. Merci à vous. Marque une pause. On se retrouve juste après. Comment moi la vie ton chemin au loin briller année. L'album pour moi c'est vraiment la synthèse de ce que j'ai toujours voulu défendre dans ma musique, c'est-à-dire le maloya, la musique traditionnelle de mon pays que j'ai toujours entendu depuis tout petit, et le jazz que j'ai découvert plus tard. Même fait vive mon maloya, donne carreau aux accords pour liguer manger, histoire mon pays, un race mélangée, la poudre donne la vie pour l'humanité. Même fait vive mon maloya. Donne car aux accords pour les manger. Les communs nature, elles sont mélangées. Agarde mon figure, à l'île farfouillée. Comment me la vie au chemin, au loin, briller, y aller. Vibrer, toi-même, nous pays en fleurs. Ce nouvel album, pour moi, c'est la synthèse de tout ce que j'ai voulu défendre depuis mon premier album. C'est vrai que j'en suis à mon 10e. Et aujourd'hui, voilà, je joue le maloya traditionnel pour inviter les gens à découvrir mon pays. Ça, c'est vraiment quelque chose que je défends depuis le début. Et mélanger au jazz avec le côté voilà, acoustique. Maloya, pour moi, c'est un mélange de cultures à l'image du peuple réunionnais qui vient d'Afrique, d'Asie, de l'Inde, d'Europe. Parce que j'aime profondément mon île, j'aime profondément ma culture avec tout ce que ça comporte, la cuisine, la musique, les paysages, tout ce qui est en rapport avec la Réunion. Ça me touche vraiment, donc c'est quelque chose que je veux partager avec le monde entier. Aujourd'hui, voilà, on a la contrebasse en plus et qui donne un son beaucoup plus acoustique. C'est quelque chose d'extraordinaire avec Michel qui est vraiment un bassiste fabuleux qui se met à la contrebasse. Et il le fait vraiment avec brio. Mes impressions ont été peut-être une musique plus, entre guillemets, plus acoustique en fait. Et d'ailleurs, le projet correspond à un projet en trio, c'est-à-dire uniquement basé sur piano, basse et batterie, bien sûr, Mehdi chante. Emmanuel Félicité, pour moi, voilà, c'est le batteur actuel à La Réunion qui a un background, vraiment un côté roots, qui joue maloya pays,
mais en même temps avec une finesse, vraiment un jeu fin avec beaucoup de virtuosité aussi. Et c'est exactement ce qu'il fallait pour ma musique. En tout cas, cet album-là, il est vraiment, pour moi, c'est un album, me dirait, voilà, il sera vraiment dans les paroles, dans l'écriture, mais il sort vraiment au fond de mes digestifs que c'est. À travers la musique de Mehdi, qui est vraiment une musique live, voilà, d'ailleurs les conditions de studio sont, voilà, on joue en live, en studio, et on explore au plus loin ce côté-là. Et son musique à il est très, pour nous musiciens, il fait travailler à nous. Moi, il fait bosser à moi tout le temps, il fait garde à moi le côté, ben, il faut bosser, quoi. il faut bosser pour faire l'album, il fallait travailler un peu quand même. Compliqué l'album, c'est pas facile. Jeune Sartav, un artiste très talentueux, et je prends toujours plaisir à mettre en avant les jeunes artistes réunionnais pour leur donner, voilà, une visibilité, une chance de se produire à l'extérieur. C'est un honneur déjà pour moi de jouer d'abord avec Mehdi Géville, parce que c'est un artiste qui m'a beaucoup écouté, qui a beaucoup appris à moi dans mon parcours musical, en tant que musicien, la façon de composer la musique, tout ça là, enfin, m'a beaucoup appris. Déjà enregistré un morceau avec lui, participe sur l'album, c'est vraiment un grand honneur pour moi, vraiment. Et après, ben voilà, la cerise sur le gâteau, c'est partager un morceau avec Michel Alibo, ben voilà, vraiment, pour moi c'est fait d'artifice, franchement. Comment m'y pouvait consoler? Sa clave est toujours cas dans la main. Des chansons mélangées Maloya jazz, en fait, hein. Moi c'est un peu ma marque de fabrique. Il y a aussi des morceaux instrumentaux, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien, voilà, faire toujours le rythme du Maloya, la base pour moi, et voilà, tout par-delà.